So, hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt It's About Everything. On dit merci à ma très chère belle-sœur qui m'a tressé la tête. Ah, merci beaucoup, belle-sœur. Bref, on y va du côté américain. Je vous avais déjà parlé de Ice Spice concernant sa meilleure amie, mais son amie qui l'a exposée. Mais c'est chaud pour Ice Spice. Ah, c'est chaud pour la rappeuse. Elle se fait, c'est comme elle est dans son downfall. C'est comme si sa route du succès, quand l'ascenseur monte, dépendant de notre comportement, quand on va redescendre, parce que l'ascenseur redescend toujours, et quand on a été en montant, on crachait un petit peu partout, on traitait le monde n'importe comment, mais quand l'ascenseur redescend, mais le monde nous attend et nous tire complètement en dehors de l'ascenseur. En tant que tel, bref, tout ça pour vous dire, Ice Spice est en train de sortir de l'ascenseur. Et c'est chaud. On y va sans perdre d'instant, on est chez La Doigt, It's About Everything. On peut mettre un like de support. Et on y va sans perdre. Say everything that Cleo was saying is dead ass true and dead ass true. So basically, I was more on the side with Spice. They had me like all in her rooms, like I'm all on that side. Like, you know, like I wasn't over there with Cleo, though. Like, they was singling them out. Like, you know, the other hairstylists and all that type of shit, they were singling them out. Okay, it was a few things that caught me off guard. The first thing that caught me off guard was when I first made it there, okay, I get with Spice, and me and her cool as hell, so we just be regularly talking about shit. I see she type got an attitude, so I ask her, like, what's up? Like, you good type shit? Like, you know, feeling her out. She, like, oh yeah, I'm cool. Whoa. It's just Cleo black ass doing too much. I'm like, damn, hold up. She like, oh, she think like my work is supposed to be working with her. Like, she think everybody that's here for me is supposed to be here for her. Like, girl, where's your team at? Whoopie, whoopie, whoa. So you know me, like, I'm like, yeah, like, I feel you type shit, I feel you. But I'm already knowing that Cleo was already coming last minute. So like, you know, but I'm still thinking at the same time, like, she got a group, she got people that's there for her. Like, she got her people. But to find out she didn't, like, you know, while I was there, like, you know, it was like, damn. So that was that. And I guess that's what Cleo talking about when she say the whole, like, the bag shit with the security guard and shit like that. Mind you, we in Texas. So we is at the hotel and shit, it's in the middle of nowhere. Everybody hungry. And Spice, like, when she wanna eat, she wanna eat. So Spice say, like, all right, y'all, we finna go get something to eat real quick, come on. So I'm like, where Cleo no man? Like, Cleo no coming too? She like, oh, they all wanna be grouped up all on the other side of the hotel. Like, fuck it, I'm hungry, I don't got time to be waiting for nobody. So I'm like, damn, like, you know, like, but I wasn't finna say that, though. I wasn't finna text Cleo, I wasn't even finna, like, you know, I'm letting shit play, I was finna play. So we go get something to eat, type shit, we at the steakhouse and shit like that. And Cleo is texting her while we at the steakhouse. She texting her, like, hey, boo, da da da, I'm hungry, da da da, like, y'all don't wanna go get nothing to eat, woo woo. Spice not texting back, like, I see the message, Spice not texting back. So she not texting back and shit, I'm feeling bad, like, I'm like, damn. So I make sure, like, I was bringing some extra food back, cause I'm like, you know, I'ma just, you know, split my shit with them. So we get back to the hotel and shit, I go up there and I go up in the room and I'm like, yeah, so y'all still hungry, woo, I brought some food back. She like, what the fuck you mean you brought some food back? Like, woo woo, you went to McDonald's? Like, da da da. I'm like, no, we went to the steakhouse. She like, no, like, what? Motherfucker got me fucked up, Z, hell no, like, I'm tired of this shit, I already been going through this shit these last few days, fucked it. She's self-considerate, all of this, whoop, whoop, whoop. I don't even know why she brought me here, whoop, 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 like, fuck this. Like, basically, like, she was ready. Like, she was ready to start, you know, getting active. So I'm trying to calm her down and shit like that because, like, I don't really want no tension. I don't really want no shit to go on. Plus, too, like, I had just walked down there to their room. So it was gonna seem like I probably just came back and instigated some shit and started some shit. So I'm like, let me not even be on that type of time. So I'm trying to calm her down. I end up being able to calm her down and shit like that. She calms down. She like, nah, man, though. Like, I really want to say something, woo, woo, woo. But you know what? Like, you're right. I'm gonna give it time and shit. Like, I'm gonna just wait until it's more ending towards it. I'm gonna text her, woo, woo, woo. Like, you know, and I'm like, shit, like, you know, do what you gotta do. So now I get back in the room with Ice. She on FaceTime with Riot. She letting him know, like, yeah, she doing too much. She blowing my scale. She was like, bitches gotta go. They asking for too much. Woo, woo, woo. Bitches acting broke. Like, I'm really tired of her black ass. And I'm like, damn, like, why does she keep saying this? Like, what? And, you know, I'm not really thinking nothing too much of it because, like, you know, like, I guess she mixed with black or something like that. But, like, to actually hear Cleo's whole story, that bitch color is, like, she, yeah. And Spice, like, I know, you probably ain't fucking with me after this, but shit. I'm black my damn self. And I'm walking around this bitch looking like boo-boo the fool to support you. And you black ass this, black ass that, and was treating the whole girl how you was treating her. Shit, you know? So I walk out the room quick to go spark my 1212 type shit. And as I'm out there, I'm like, damn, like, I feel bad for Cleo type shit. And I really felt like Spice wasn't seeing what she was doing, but she knew what she was doing, but she wasn't seeing, like, how brutal that shit really was. So I text her, like, you know, trying to let her know, like, hey, friend, like, I think you low-key tweaking. Like, you know, you probably, you know, think about how you low-key probably got old girl feeling type shit. I'm finna post the messages in the next video. I'm finna do the next video right now, so just go to my page, I'm finna have the next video posted. Donc, alors, on y va. Déjà, on a pu voir un petit bout d'une vidéo. C'est quelle vidéo? Ça, c'est un styliste. Je ne sais pas s'il est encore styliste de Ice Spice après ça. Mais en expliquant le tout, on peut comprendre, il donne raison à Cleo Trapper. Donc, tout ce que Cleo Trapper disait, c'était légitime. Au début, je me disais, oh, peut-être c'est méchant d'exposer son ami. Mais en vrai, de vrai, je reviens sur les termes dans cette vidéo.
Vous avez vu aussi l'intégralité. J'ai mis la vidéo et puis je sais qu'elle est plus longue parce qu'il y a presque une quarantaine de minutes. C'est toute l'intégralité de Kilotrapa. Donc, c'est pour ça que c'est plus long, guys. Mais en tant que tel, dans tous les événements que vous avez vus qu'elle a dénoncé, c'est que techniquement, elle venait faire la première partie de la tournée de Ice Spice. Mais Ice Spice ne l'a pas payé, c'est une chose. Ok, Ice Spice a dit, ah, mais de toute façon, tu prends ma visibilité. Ok, mais pendant toute la période que tu viens faire ça, elle n'est pas payée. Et Ice Spice lui disait, elle avait dit, t'inquiète, tout est payé, tout va être à mes frais. Tu vas venir, tu vas faire la première tournée, ça va donner de la visibilité. Et quand elle est venue sur place, c'était l'enfer. Même le moment de la loge pour se changer, elle devait se changer comme dans un corridor. Elle n'avait même pas un espace pour se changer, pour se préparer pour aller sur scène. Juste pour vous dire, c'est comme sabotage traité comme ça. Et, il y a des fois que vous traitez comme ça, vos amis. Bref, c'est pas tout. Et puis, c'est pas tout, guys. Guys, maintenant, suite à tout ça, qu'est-ce qu'il y a encore? On a maintenant le styliste de Ice Spice qui vient confirmer les faits de Kilotrapa. Et dans les actualités, on a deux artistes, deux grandes rappeuses qui, on les connaissait, qui étaient un petit peu l'une contre l'autre, qui se sont unies contre Ice Spice. Nicki Minaj, Cardi B. Tu sais, les Barbs, versus les Bartiers. Oui, c'est les deux gangs, guys. Je ne sais pas dans quel clan que vous êtes. Peut-être vous êtes au milieu, peut-être vous aimez plus un que l'autre. Bref, les deux, ils se rendent compte du vice de Ice et les deux semblent être unis ensemble contre Ice. Mais des fois, on dit, on a deux femmes qui se disaient ennemies. Et quand elles ont quelqu'un qui est encore plus grand, qui les dérange encore plus, elles sont capables de mettre leurs forces ensemble pour ça. Et on se rappelle concernant Cardi B, Ice Spice, c'est elle qui avait lancé la fausse rumeur pour dire que Cardi B, elle avait traité Cardi B de mexicaine. Mais Cardi B ne vient pas du Mexique. Elle n'est pas mexicaine. C'est rien contre les Mexicains, mais elle n'est pas mexicaine. C'est comme une façon de réduire Cardi B ou dire que ah, tu es juste une mexicaine. Alors que Cardi B, on le sait, la mère de Cardi B, elle est de Trinidad, des Antilles. Et son père, il est dominicain. Et Cardi B a toujours été claire dans tout ça. Donc, Cardi B devait venir dire, mais de quoi tu parles? Et puis, la rumeur venait de Ice Spice. Donc, Ice Spice, déjà, avec ses cultures qu'elle va chercher, mais Ice Spice, on sait qu'elle est dominicaine complètement. Un moment, quand elle disait à son amie qui est de Nigeria, elle disait qu'elle aussi, elle a une partie de Nigeria. Son amie a démenti, elle a dit qu'elle n'est pas de Nigeria, son père n'est pas nigérien. C'est pas vrai, c'est une menteuse. Appropriation culturelle. Je suis comme... Ice, baby. Et juste de savoir que qui aurait pu croire que Nicki et Cardi seraient mis ensemble, se seraient réunis ensemble contre une personne. Et on sait aussi concernant Nicki Minaj, qu'on avait fait le label avec elle pour le film Barbie, elle commençait à laisser entendre aux gens que techniquement dans le film c'est elle qu'on voulait, on voulait pas de Nicki, mais elle a fait une faveur à elle. Et puis après, elle commençait à dire que Nicki faisait de l'attitude. Elle commençait un petit peu à parler mal de Nicki. Et ensuite, elle faisait exprès de s'afficher à Cardi B en sachant qu'elle va créer un petit peu de quoi. Donc, t'es pas gentille, hein, girl. Et bref, dans l'industrie, on se rend compte que c'est une peste. Elle était une peste avec tout le monde, avec la tour, qui a commencé à la copier son style. En plus, elle disait que non. Bref. Et le plus gros dans tout ça, guys, le plus gros dans tout ça, c'est depuis hier, elle a perdu déjà près de 700 000 followers abonnés sur les réseaux sociaux. Et ça a l'air de rien, mais pour une artiste de perdre autant de gens, 700 000, c'est beaucoup. Il me semble que c'est beaucoup plus que... Elle est en train de dépasser, vous vous rappelez de la période qu'il y avait Selena Gomez versus la femme de Justin Bieber, en passant, oui, leur enfant... Elle vient d'être née, il s'appelle Jack quelque chose. Mais oui, Jack Bieber. Bref, c'est une petite parenthèse comme ça. Mais on se rappelle le moment, il y avait la période quand Kylie Jenner avait fait une petite... Elle était dans la sauce et commençait à perdre beaucoup de monde aussi. Toute cette histoire-là, ça c'est au début de l'année. C'est toujours en 2024. 2024, il y a eu plein d'expos de partout. Qu'est-ce que c'est 2024? C'est l'année des expos, right? Mais on se rappelle de ça, on me suit toujours. Là maintenant, quand on regarde le tout, on voit que... attends... Guys,
Là, on regarde le tout, guys. On voit... C'est pas tout. On voit que ce n'est pas tout. De perdre 700 000 d'un coup, les gens commencent à se désabonner d'elle. On va dire que, OK, ça va s'arrêter. Mais est-ce que ça va s'arrêter réellement? Ce n'est que le début. Parce que là, il y a une autre scène, un autre scandale qui vient encore plus pimenter la vie de Ice Spice, comme si ce n'était pas déjà assez pimenté. Elle commençait à trop monter, mais là, on l'a fait redescendre. Et cette scène-là, c'est un peu... Ça va nous laisser sceptiques, on regarde un petit coup. No, I'm just saying a prayer so the Lord protect us as we go the rest of the night and the rest of our career. Right. You know what I'm saying? So everybody hold hands. Hold hands, hold hands. Lord, thank you so much for bringing this amazing group together right now with this amazing stream and our amazing teams, Lord. We are all from the same place and we are all trying to get to the same place, which is the top. And we all want to experience different things in our lives, Chad. So thank you so much for bringing all of us together. And I pray that you allow us to grow on other people, on each other. And I pray that you allow us to reach any measures in his life. And you just watch over us daily. You bless us. You allow us to bless other people with our work and our amazing craft. And you help us enjoy this night. In Jesus' name, we pray, amen. Amen. Listen, I got a bottle of rosé. Listen, shout out to all my darn Julio. Donc, c'est quoi ce moment-là? C'est quand elle était backstage avec, il y avait l'artiste Tyrell qui était en train avec le groupe de faire une petite prière. Ils sont tous rassemblés. Puis on la voit qu'elle n'était pas intéressée pour faire la prière, clairement. Peut-être elle n'osait pas le dire, non, je ne suis pas sur ça. Et puis, on la voit ensuite, quand la prière termine, elle fait clairement le signe de Baphomet. Là, ça, c'est la démon. Et puis, Baphomet, quand on s'informe sur ça, on se rappelle Blac Chyna à l'ancienne, quand elle avait son tatouage de Baphomet et quand elle a fait sa conversion vers le chrétien évangélique, la première chose qu'elle a faite, elle a retiré ce tatouage qui représentait la débauche et tout. Aller voir Baphomet et tout avec le signe. Bref. Et on voit, tout de suite après la prière, elle fait rapidement le signe. C'est comme si pour annuler la prière. Mais ça aussi, c'est un scandale. Le monde commence à dire, t'es une démon de l'industrie. Retire de nous Satan. Ah, ça va loin pour elle là. Donc, elle a comme ado, si on fait le tour, le récapitulatif, ça, une de ses bonnes amies, comment elle a saboté sa propre amie qui était une amie. Comment elle a saboté, qui se fait exposer. Et comment elle l'a traité. Là, et puis en plus, même dans ses réponses, comment elle répondait, se moquait d'elle, comme elle mangeait sa nourriture, son amie n'avait rien à manger, elle la regardait. Donc, comme, quel genre de humain que t'es, que tu as ton ami qui vient faire ta première tournée, sa première partie de ta tournée avec toi, t'es en train de manger ta salade de poulet, elle est en train de bien manger le poulet et tout, ton ami, elle mange rien devant ta face. Tu n'as même pas un sentiment. Déjà de tout, c'est que ça laisse un peu entendre sur ton caractère. Et puis tu fais pas ça parce que t'avais pas d'argent. Tu fais ça parce que par méchanceté, clairement, parce que une salade de poulet, c'est sûr qu'elle peut offrir ça à son ami. Bref, mais déjà là, ça laisse entendre. Et là maintenant, il y a d'autres personnes qui confirment son styliste. Et en plus, on voit Cardi B qui a sa communauté, les Barty Gang, yes, Cardi B qui l'expose de qu'est-ce qu'elle est. Nicki Minaj et Cardi B, même pas, Nicki Minaj et Cardi B se mettent ensemble contre elle. C'est comme l'union qu'on voulait. Hey, on veut cette union en 2025, je veux une collaboration. Les deux filles retournent ensemble. Hein. Nicki, Cardi B, remettez-vous ensemble. Nicki, Cardi B comme nouvelle femme, comme tu te débarrasses de Offset parce que yes, le divorce est fait. Reviens avec Nicki. Vous êtes des grandes femmes maintenant. Maman de 3 enfants, maman de 1 enfant, yes, let's go les femmes, je veux voir cette union-là. Et puis, tu sais, toutes les fans en plus qui étaient en attaque, là, tu le vois, le revirement de situation qu'on ne s'attendait pas. Et là, maintenant, il y a l'histoire de Baphomet, la prière, tout arrive sur elle. Mais moi, je dis, le marketing de Ice Spice, qu'est-ce qui arrive, c'est tout son marketing était sur ses fesses, sur son corps, son physique. Et je pense qu'elle a fait un régime intense, une diète intense. Vous savez les diètes intenses que le monde font. Et elle a perdu ses courbes, les courbes qui gardaient son marketing. Et il y a beaucoup de monde qui la suivait pas pour sa musique, mais pour son marketing. C'est pour ça qu'on la voyait sur scène. On la voyait toujours sans sous-vêtements, sans culotte, en train de danser sur scène et de trucs. Oui, c'est comme ça qu'elle vendait, parce qu'elle savait que c'est ça qu'elle vendait. Mais là, maintenant, elle a plus les courbes qui attirent. Et là, toute sa personnalité expose comment elle est dark. Et
Not good for her. Not good for her. En plus, le côté appropriation culturelle qu'elle se fait passer pour qu'elle a des origines de Nigeria alors que c'est pas vrai. Bref, plein de choses arrivent en même temps. Et à date, dans l'industrie, il n'y a personne qui la sauve parce qu'elle n'est pas reconnue comme étant une artiste réellement dans l'industrie. Même quand elle se clash avec Lato, Lato au moins est réellement une rappeuse. Elle n'est pas une rappeuse. Hein. Elle... Ok, elle était mignonne dans le son Barbie. Là, c'est le son vraiment qui me vient en tête. Mais en vrai de vrai, il y en a des meilleurs qu'elle, ok? Là, c'est son downgrade. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'ascenseur monte, mais tu montes dans l'ascenseur, sois humble. Il va monter... mais il va finir par redescendre. Et quand il redescend, et si tu as commencé, quand il montait, toi, tu te prenais la reine du monde. Quand tu es en train de redescendre, on va juste, quand tu arrives au rez-de-chaussée, on te sort de l'ascenseur et c'est fini pour toi. C'est le fait. C'est le fait, guys. This is it. So, bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est l'update concernant notre ami Icepice qui est rendu dans son downfall. C'est clairement son downfall. Il n'y a rien d'autre à dire. Et puis, j'étais tellement étonnée de voir en l'espace d'une journée. Et puis, elle continue de perdre des abonnés, là. 700 000. Je ne sais pas l'équipe marketing, qu'est-ce qu'ils vont faire. Comment ils vont faire. Je ne sais pas. Dites-moi comment ils peuvent faire. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup à faire. Ben, bref, je laisse sur ce. En plus, ce n'est pas non plus l'affaire qui va être difficile avec elle. C'est pas une artiste comme qui était une bonne rappeuse de base pour dire qu'elle va essayer de sortir un son, une collaboration, revenir. Le truc, c'est qu'elle est reconnue pour être un petit peu pèse, un peu mean girl. Et puis autour d'elle, elle a fait en sorte, quand elle était avec Nicki Minaj, elle crachait sur Cardi B. Après, elle laisse Nicki, elle va avec Cardi, elle crache sur Nicki. Elle va, à un moment, elle était avec Lato, après elle a comme des beefs, des chicanes, elle a une dispute, elle est comme si elle s'est piégée elle-même pour faire en sorte qu'on la sort du, on entraîne la sortir de l'ascenseur. Donc quand on sort de l'ascenseur, c'est difficile de remonter et c'est un petit peu ça le rêve américain. Le rêve américain, quand tu perces, on te donne une chance de percer, tu perces, mais dès que tu foires, dès que tu te rates, c'est rare qu'ils te donnent rapidement une seconde chance. Excepté si tu as vraiment du talent, tu as vraiment des capacités, tu peux essayer de contourner le tout et donner une autre chance. Mais pour elle, son cas, son talent, c'était ses curves, son corps. Et elle a maigri beaucoup, donc c'est compliqué. Donc, il ne faut pas juste miser sur le physique, les artistes. Là. Même si le physique peut attirer, mais vous devez avoir aussi un peu de contenu, juste faire semblant. Donc, je laisse sur ce, mais je dis juste faire semblant, mais elle faisait semblant et puis ça n'a pas marché. Donc, avoir du contenu juste pour, quand on a regardé la page couverture, il y a dans l'intérieur, c'est intéressant. Ou même si tu n'es pas la meilleure rappeuse, mais tu dois faire en sorte d'être likable. Comme d'avoir, d'être fun, là, d'avoir du monde qui sont prêts à te défendre et ainsi tu peux faire des collaborations avec d'autres personnes. Même à ça, elle n'a pas été capable vraiment de le faire dans l'industrie. Donc, son équipe, ils ont du boulot à faire. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre parce que... Et c'est chaud. C'est chaud. Et c'est ça, c'est chaud. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.